Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On se retrouve pour continuer notre petite bataille. Merde, j'ai oublié le nom de la ville entre le moment où j'ai lancé ou pas, mais bon, on se retrouve pour continuer notre petite bataille, c'est pas très grave. Et ça se passait pas trop mal, si ce n'est qu'il y a eux qui vont potentiellement faire la gueule. Je pense qu'on va leur dire fuck, hein. Très honnêtement. On va se placer. Ils vont apparemment arriver plutôt... T'as quoi comme portée, toi? Oh, t'as une sacrée portée, donc tu vas reculer un peu parce que t'es clairement pas à mettre en première ligne. On va mettre le Abrams à la place. Et ils vont arriver, je pense, du coup, sur cette zone-là. La route, en fait, arrive là, sur le côté. Donc nous, on va être de flanc. On va garder le petit Humvee ici avec mitrailleuse pour couvrir. Et ça va être l'Abrams, le Humvee et le Sherman qui vont faire le taf comme ils peuvent. C'est quoi ça? Une remorque de carburant. Okay. C'est pas grave. Et on verra ce que ça tient ou ce que ça tient pas en l'occurrence. Puis bah si ça tient pas, on verra du renfort, tant pis. En attendant, on essaie de progresser sur cette zone. Là on a réussi à éliminer, on va avancer un petit peu. Vous du coup, et le transport blindé en avant, filer un coup de main. Alors là il y a plein de trucs à récupérer, j'ai vu, il y a un camion de ravitaillement, un véhicule tracteur qui pourrait aller tracter le truc là-bas, il y a un Humvee abandonné, un transport, après on s'approche du QG, donc il faut quand même qu'on y aille un peu tranquille on va dire. Et vu que nos alliés sont jusqu'ici, je pense qu'on est assez safe, au moins jusqu'à cette ligne-là. Ici on a du sniper à l'intérieur. Ouais, on va peut-être du coup plutôt envoyer toi plutôt par là. On va commencer à prendre cette zone. On va prendre du sniper, de l'anti-char. Et on va se diriger par là. Histoire d'avoir un petit peu de monde sur ce flanc. Ici du coup, on est en train d'allumer ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des mecs avec fusil d'assaut, mais il y a quand même une mitrailleuse lourde là. Donc ça doit être une escouade de soutien probablement. Il faudra des gens dans cette baraque peut-être. Genre vous. Et on a avancé un peu notre ami Bradley. Alors j'ai envoyé voilà, un char et un Humvee tenir la zone là-bas. Histoire d'être quand même un petit peu défensif sur les caravanes des civils, des fois qu'il y a des gens qui contournent, je sais pas, un intégrateur ou un machin qui passe sur la route et qui nous la fait à l'envers. Ici on recule tant bien que mal, tout en tirant. Les mecs ils avancent, hein. Ils ont pas peur. Hein. Alors on va prendre ce truc là, on va voir ce que ça donne. Ici c'est éliminé, ça y est, parfait, excellent. Donc bon bah il reste eux qui ont un peu mangé, on va les laisser je pense dans le coin. Toi viens te mettre un peu à l'arrière, ici tu répares. Alors attendez, hop, gardez pas votre position, toi tu viens là. Toi tu viens là. Ouais, le problème c'est ça, c'est qu'ils nous allument avec leur... leur artillerie, mais dès que tout le monde sera arrivé, on va pouvoir se mettre en position. Ici, est-ce qu'on est capable de tirer? Armement endommagé. Ouais, non, ça sert à rien. Descendez. Si on peut le récupérer, on se posera la question, mais on va mettre lui dedans, du coup. Là, ramper un peu. Au moins, on est capable de les empêcher d'avancer, ça c'est la bonne nouvelle. Est-ce que toi t'as la portée pour tirer là-dessus? T'as la portée pour tirer là-dessus, essaye donc. Ici on est engagé, sans surprise il y a du monde. Notre artillerie elle est là. Donc ils sont carrément dans la zone, pas de soucis. Ici on va aller soutenir par là.
Bon, on va me soutenir par ici. Vous prenez ce bâtiment, prenez ce bâtiment, prenez ce bâtiment. Prenez ce bâtiment, on va avancer de bâtiment en bâtiment. Je pense qu'il y a du monde là, ça me paraîtrait pas déconnant. Où est-ce que vous pouvez aller prendre à la rigueur ce truc là? Alors ici, toi t'es rechargé, parfait, t'es rechargé. Viens te mettre par là. On va plutôt mettre le maire là pour couvrir le flanc. Et toi, ici. Parce qu'il a une portée assez mauvaise, hein, le ray gun là. Il est certes très puissant, mais c'est pas ouf non plus. Toi, tu vas dropper ta tourelle là. Ah, on peut détruire ce truc là. Ok, je voulais pas me mettre derrière pour éviter les emmerdes, mais comme ça au moins c'est fait. Ici, la tourelle a un peu souffert, probablement d'un tir d'artillerie. Donc là, on va pouvoir commencer à avancer. Le mec avec plasma, il est où? C'est toi. Tu commences à être un peu en dash. Vas-y, tu vas te concentrer sur ça. Vous séparez, vous avancez. Vous et vous. Bah, vous avancez aussi. Hein. Venez, 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 venez. On va peut-être laisser du coup nos unités d'infanterie ici avec le transport. Parce qu'on est quand même censé tenir cette zone. Et toi du coup, je commence à me demander si tu aurais pas mieux fait de venir te poser là. Hein. Viens poser ton truc ici là. Pour voir. Démerde-toi. Ici on a toujours notre camion de ravitaillement, mais c'est pas très grave. Notre objectif principal reste d'éliminer ces enfoirés. Hein. Les mecs ils tiennent alors qu'ils sont cernés de partout. Je dois avouer, c'est le bel effort. Une petite escouade de lance-roquettes là, un petit sniper ici. Là on est à la grenade, c'est pas mal. Ici on va rentrer, très très bien. Ici du coup on a pris le bâtiment. On va plutôt directement avancer là-bas. Ça a l'air d'être beaucoup plus pertinent en termes de zone à couvrir. Alors là il y a des bâtiments à droite. À gauche pardon. Le QG est vraiment tout au fond hein. Ici ils avancent, excellent. Notre artillerie continue de se rater mais d'allumer un peu ce qui tombe. Ouh, elle est là-bas l'artillerie. Ah putain, il nous a dépouillé cet enfoiré. En plus c'est le plasma, fait chier. Bon, celui-là on l'a eu, excellent. Toi tu vas progresser jusque là. Balance de la fumée. Ok, plateforme légère, MV, c'est elle qui tire je pense, c'est elle l'obusier, ouais, c'est elle l'obusier. Membre d'équipage neutralisé, t'es qui toi? Qu'est-ce que vous foutez là? Qui c'est qui vous tire dessus? C'est là là? Ok, visiblement il y a du méchant là, il y a aussi du méchant là. Il y a du mec ici, très bien, donc là visiblement c'est là qu'on va commencer à... avoiner. Là on tire sur quoi? Ouh. Ah oui, il y a une plateforme lourde en plus avec un gros blindage des familles. On vient d'allumer le bulldozer mais il résiste. Alors on va sortir du coup les troupes. Prenez ce bâtiment là vous. Alors éventuellement vous si vous pouviez prendre celui-là mais ça va être chaud je pense. Allez-y, go, go. Vous du coup, repliez-vous, enfin quoi que non, allez par là, mais franchement c'est pas la peine de vous défoncer pour une automitrailleuse, très clairement. Le Bradley. Smoke par ici pour éviter les anti-tanks. Ah putain, c'est de l'artillerie qui nous tire dessus.
Peut-être lui. Non, pas lui. Lui, il tire à la mitrailleuse comme il peut. Vous, vous avez récupéré ça, très bien, réparé. Là, c'est tombé, il y a encore du monde. Avancez dans ce bâtiment. Non, on va aller se mettre par là. Il faudrait qu'on avance peut-être. Ici, c'est géré. En avant. En avant. Là, les snipers, ils seraient bien là sur ce bâtiment là. On peut mettre combien de monde là? 109 personnes là-dedans. Ouais, on n'a pas trop de problème, ça va. On va amener le Bradley là. On va commencer à défoncer tout ce qui se pointe. Toi, c'est quoi ton problème? T'es en train de réparer peut-être? Toi, on a besoin de toi. Viens te mettre par ici. Pareil pour toi. Ici, on tient la zone. Hein. Là, t'es tout seul, vas-y, répare. Malboum. Comme tu peux. Ok, ici, commence à avancer. C'est quoi ça qui court? Des pillards qui courent avec leur fusil à pompe dans la pampa. Okay, ici on a détruit un moteur, ça c'est un Humvee avec une mitrailleuse. J'aimerais que toi, tu fasses un peu attention déjà parce que t'es pas non plus hyper tanky. Alors, bientôt on va avoir les intégrateurs sur le cul. Toi t'es en hit, bah, c'est parfait, reste par là. T'as beaucoup moins de portée. Ouais, là on est quasiment capable, si on les voyait on pourrait les allumer direct. Donc on va se préparer hein, tout simplement. Vous, si vous foutez tout seul ici. Plantez-vous, on a besoin de vous. Ici, c'est l'artillerie je pense qui nous fait mal. Hein, ouais. Ça, ils détruisent les bâtiments et forcément ça picote. Notre propre artillerie, elle en est où? Elle est encore à portée mais ça va devenir problématique. On va avancer un peu avec nos véhicules du coup. Alors toi tu vas là. Toi tu vas ici. Toi t'es un taux, mets-toi pas trop proche, genre là dans la ligne ça sera bien. L'artillerie ici ne bouge pas. Ici on va essayer d'atteindre cette zone. Avec vous aussi tant qu'à faire. Qu'est-ce qui reste derrière? Quelques mecs. On va les envoyer là, un peu protégés derrière. Là aussi il reste des mecs. On va les mettre ici, on va les laisser ici pour protéger la tourelle. Enfin l'obusier. Là, ils sont en train de réparer. Ici, on relance un petit ATGM des familles. Ok, ça c'est fait déjà. Il t'en reste encore 3. Eh ben écoute, essaye d'allumer la suite. Parce que là, j'imagine qu'ils sont trop loin. Ah, pas loin, mais ouais, trop loin. Ici, ça donne quoi, l'assaut? On a réussi à détruire ce véhicule, l'autre il nous tire dessus. Alors, où est notre plasma? Il est là. Non, toi il faudrait que tu tires sur ça s'il te plaît. Vas-y, viens là. Allez, on avance hyper lentement dans la pampa là. Malboum, ils sont tombés à terre. Allez, c'est eux là, ils se font. J'ai pris un tir là. Excellent ça, parfait. Allez, on les fait reculer. On rase un peu leur bâtiment. Ici on a plus de munitions, c'est pas grave. Toi t'as plus de munitions non plus. C'est plus gênant. Est-ce que tu vas réussir à le détruire? Non, mais raté. Ça par contre c'est problématique. Bon, pour l'instant il peut plus tirer. Pour l'instant il ne peut plus tirer. J'ai envie de dire, c'est le bon moment pour avancer. On va poser la milice dans ce bâtiment-là avec du snipe.
Le Bradley, on va l'avancer jusque là également. Il a encore du taux hein, de disponible. On a du snipe ici. Allez par là. J'aurais bien aimé pouvoir laisser les mecs se reposer, mais malheureusement ça me paraît compromis. D'autant que bientôt ça va être l'enfer en bas là. Toi, bah oui, toi t'as une tourelle là. Vas-y, avance jusqu'ici. Oh, c'est peut-être un petit peu agressif. On va avancer jusque là, avec toi jusque là. Il va commencer à avoir besoin de faire une pause ravitaillement là. Donc toi tu vas progresser jusqu'à un endroit un peu près safe, c'est-à-dire ici. Ah, d'ailleurs, viens te mettre là. Bon, là on a encore de la réserve. Allez, on se fait cet enfoiré. Papy 1, plus de munitions. Lui aussi, il a plus de HE, c'est efficace pour les bâtiments, mais. On va devoir faire 100 pour le moment. Là, il y a du véhicule, c'est ça. Là, il y a du véhicule. Là. Encore une plateforme. C'est de la plateforme avec tir pour le coup. Ouais, là, on s'est fait un peu défoncer en arrière. En plus, il y a du monde encore là. Je pensais qu'on en avait fini en fait ici. Fait chier. Ouh, putain, ils se sont réparés juste à temps, les fumiers. Pas cool ça. Pas cool, pas cool. Toi, faut que tu te replies chercher du ravitaillement. Du coup, je l'ai envoyé sur l'artillerie ici. Putain, c'est loin. C'est tellement loin. On va appeler un autre camion, je pense. Un petit comme ça là. Allez, viens. Pour couvrir le flanc ici là. Donc toi tu vas rester là. Toi par contre tu vas venir jusqu'ici. Et on va laisser tomber l'idée d'avoir ce truc là. On va juste reculer un peu. Là il y a des plateformes légères qui sont un peu énervées. Qui sont pas dans la portée de notre artillerie. Hein. Non. Il va falloir qu'on avance notre artillerie, donc on va récupérer. Toi, tu vas te choper ça. Ici, on est plutôt bien dans ce bâtiment pour le moment. On peut mettre que 9 personnes dedans. Ah oui. Du coup on n'est pas si bien que ça parce qu'ils sont dehors là. Repliez-vous. Enfoiré, on a rien pour se le faire celui-là. Ah la vache, on a rien pour se le faire. Ça va être la merde. Qu'est-ce qu'on a ici? Du frag. On a la tourelle. La tourelle, elle pourrait tirer sur ça. Non, elle peut pas tirer sur ça. Malboom 2 qui perd du monde. Ah bah oui, c'est l'escouade, elle s'est fait annihiler. Hein. Et que toi en fait qui peut toucher ça. Donc il faut que tu t'en occupes. Ok, visiblement, faut plutôt que tu viennes par là, donc change de flanc. Toi, ça serait bien si t'arrivais à poser ta tourelle là, en vrai. Hein. Ah, c'est peut-être un peu agressif. Pose-la là, déjà. On va voir après. Ici, on est en train de se soigner tranquillement. On est déjà même plutôt bien soigné. Ça, c'est du bâtiment faible, ça s'est fait dépouiller. Ah, c'est un fourgon ici qui nous tire dessus. C'est les véhicules là qui vont être problématiques. Il y a une autre plateforme lourde là. Ici, il y a des sbires planqués je ne sais où. Là, on l'allume tranquillement à la mitrailleuse, autant dire qu'on va pas aller loin. Ça, c'est du sans recul. Hein. Ça pourrait nous aider un petit sans recul si on arrivait à aller jusque là, mais il n'y a pas la place. On va le mettre ici pour le moment. Tenir cette zone, envoyer une petite milice, on a pas de petite milice ici. Ah, elle s'est fait défoncer. Ici il reste juste le porteur de mitrailleuse et rien d'autre. Parfait. Là ça serait pas mal aussi peut-être d'avoir un petit tank là. Ok, très bien, donc là on a fait le taf. Ici, on a réussi à se la faire. On a réussi à se la faire, on dirait. Ok, parfait. On peut plus réparer. Toi, tu répares. Toi, tu répares.
30 secondes avant que ça parte en couille. Lui, il est en train de réparer son petit truc tout seul. Toi, tu répares également. Le striker, il a plus beaucoup de fumigène. Enfin, ils sont bien posés, hein. Il y a encore de l'artillerie là-bas. Prendre cher. Comment ça va ? Il est immobilisé, rien de neuf. Là, il y a un mec avec lance-roquette qui essaye de shooter notre mec, mais je suis pas trop inquiet. Oh, les saloperies! Oh, les fumiers, ils m'ont foutu le feu. Putain, ça c'est la... ça c'est pas cool, ça. Ok. Bon, ramasse ça, toi, va falloir qu'on avance. Où est notre artillerie? Notre artillerie, elle est par là. Il y a le camion de ravitaillement qui est arrivé, mais c'est pas une priorité. On va aller poser l'artillerie ici. Le camion de ravitaillement ici. Parce que là, du coup, on est trop loin. Eux, c'est un bâtiment moyen, il peut tenir un peu, mais... on est vraiment trop dans le mal là, et ils ont réussi à foutre le feu à notre véhicule, donc c'est la merde. Ça c'est le coup dur, ça. Clairement, c'est le coup dur. Et du coup, on est à sec de taux. Alors, ce qui tracte notre artillerie, c'est un taux. Essayer d'arrêter les forces des intégrateurs. Ah, carrément, c'est... essayer d'arrêter, quoi. Waouh! Ah oui! Ils ont amené de l'artillerie, les petits fumiers. Bon, on va arrêter la force principale, déjà. J'ai pas vu le Sherman tirer, il a tiré. Non, pas encore, ils sont trop loin. Putain, la vache. Ah ouais, ils allument quoi. Bon. Il y a tellement de troupes en plus. On se fait tellement allumer. Oh, la violence, quoi. Au final, c'est peut-être même les troupes d'infanterie qui vont nous faire le plus mal, quoi. Parce que là, il y a quand même du monde. Des effaceurs. Des effaceurs. J'adore, j'aime le nom de ces gens. Qui sont-ils? Alors, du coup, on a découvert... automitrailleuse lourde. Avec des missiles sol-air. Ok, ça nous fait pas trop peur. Roquette d'aéronef à l'avant. Ok, parfait. Le char des intégrateurs. Un seul des deux canons à plasma lourd du char de Légion a été préservé. Ok, très bien. Et les effaceurs, c'est quoi du coup? Ah, on les a pas encore considérés comme vus. Et là, on a découvert la plateforme lourde. Ok, bizarre. Peut-être parce qu'on a découvert des nouveaux types. Ok, alors on prend cher. Hein. Putain. Toi, t'as plus de munitions, papy 1. Ah oui, t'as plus d'AP non plus. Mais t'as fait le taf, à peu près. Donc toi, tu te déploies. On va aller remplir les munitions. Où est notre taux qui est à sec là? Ah bah lui, il est arrivé. Vas-y, déploie-toi. Il faut qu'on se débarrasse de cette foutue plateforme lourde là qui est au milieu du chemin. Ah, elle a été abandonnée, tiens. Ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'éventuellement, on pourrait la prendre, mais déjà, ça va nous aider. La milice là se fait allumer par l'artillerie. Le sujet c'est clairement ici. Hein. Vous êtes à terre vous? Ouais, vous êtes à terre. On verra si vous arrivez à tenir. Du coup on manque presque en fait de force légère. Bah, toi tu peux pas tirer donc tu sers à rien. Il faudrait que vous sortiez. Par contre, on a bien fait mal à leurs forces lourdes. Hein.
Donc ça c'est plutôt cool. Ils sont trop loin, ils sont posés par là. Tous nos renforts sont trop loin. Éventuellement, on pourrait ponctionner un peu le monde là. Genre eux. Essayez de vous pointer pour voir si vous pouvez aider. On a quand même un bulldozer avec un lance-grenade frag hein, qui va faire bien le taf sur le sur les forces légères. Mais là c'est leur artillerie de taré là qui fait mal aux fesses. Hein. On va devoir essayer d'avancer. On va donc le faire. Là la tourelle s'est fait dépouiller le fion. On va essayer de grimper là, pourquoi pas. Alors est-ce qu'on explose sur les mines? Non, c'est vrai. Ils se replient plus ou moins. Il y a des mecs qui essayent de se faufiler par là, c'est quoi? Des pionniers, ouais bon, ils vont se faire défoncer, pas trop de problème là. Bon eux, c'est la merde, on va se replier dans le bâtiment, ils ont plus rien à protéger. La plateforme s'est fait défoncer. On a de la perte hein. Face aux intégrateurs, je sais pas si ça vaudra un charme. Enfin, y a un mec qui est collé à moi quoi. Putain mais sérieux, c'était bien contre nous ces mines. Ah sa mère, en fait ils font péter les mines avec leur artillerie. Et ça nous fait mal quoi. Ok, on a éliminé déjà un truc d'artillerie, très très bien. Là il nous reste un taux, mais ça va pas servir à grand chose. Vas-y toi, avance. Oh putain, les enfoirés sur le côté là. Vas-y, on va les effoncer, on va les nettoyer. On avance ici, il en reste une artillerie. Putain, ils nous ont fait mal parce que en fait on était à côté des mines, donc ils nous explosent pas dessus, mais le fait de s'approcher et de se prendre un tir d'artillerie, c'est ça qui nous a défoncé quoi. À qui reste des munitions? Vous, il vous reste des munitions, toi t'es plein, toi aussi, allez go. En avant. Ici les mecs, on va les foutre là parce qu'ils sont dans le mal. Alors là ça ressemble à quoi? Là on tient la zone pour le moment. Ils envoient des petites troupes, on les défonce, pas de soucis. Ici les renforts arrivent mais ils vont peut-être pas être utiles au final. Vous pouvez aller vous reposer, enfin vous taper. Et toutes les unités avant qu'elles quittent le secteur. Ok, très bien. Et bah go alors. En avant. Mouvement, avancez jusqu'au contact, c'est parti. Vous avancez jusque là. Vous avancez jusque là. Toi t'avances jusque là. Le MV t'avances jusque là. Qu'est-ce qu'il leur reste? On a perdu quelqu'un ou ça? Ouais, ici, ça serait bien de reprendre le char. Notre taux là, il est rechargé, parfait, go, enfin peut-être pas aussi agressif, viens par là. Putain, c'est tout géré là, ici on est rechargé, reviens. La tourelle, l'artillerie, on l'a déposée, parfait, toi t'es rechargé. Viens par ici, parce que t'as moyen d'avoir une portée toi, avec ton excellente portée de tir. Ouais, il faut qu'on se débarrasse de ces cons. Une fois qu'on sera revenu dans le Bradley, il y a moyen qu'on puisse. Ok, on est en train de charger. Ok, ça c'est parfait. Ouf, ça leur a sifflé aux fesses là. Alors, tuer toutes les unités d'intégrateur, c'est pas fait encore. Allez, continuez d'avancer les gars. Pareil, on avance. On avance. On avance. Vous c'est pareil, go. On avance. Alors après c'est censé s'arrêter, ça se passe comment? Si elle détecte un ennemi, elle s'arrête et se comporte selon les paramètres actuels. Ok. Ah putain ils sont là. Petit salaud.
Some of those wirehead wannabes got away. Probably best we stay out of the way of the rest of these freaks now. J'ai pas réussi à les empêcher de sortir. Zut. Bon là ils sont en train de se faire petit à petit bouffer le cul. On va balancer du fumigène. Pour aider un peu. Mais je pense que se replier reste probablement le plus pertinent. En attendant qu'on ait nettoyé ce qu'il y a à nettoyer. C'est quoi qui nous tire dessus? C'est un truc qui tire de tout derrière là, bordel. Ok, bon bah malheureusement on n'a pas réussi à les empêcher de s'enfuir. Donc à partir de maintenant, c'est la guerre. Ça tombe bien, c'était plutôt calme. Tiens bah vous là. Sortez, allez me chercher ça là. L'autre bulldozer. Bah, tu vas aller récupérer ça. Et puis bah ici, go. Alors du coup on va peut-être aller se recharger avec les trucs qu'on a besoin. C'est vrai qu'on avait ce MV, je l'avais zappé, tiens. Allez, go. Allez vous recharger. Allez vous recharger, vous. Vous êtes 1, donc ok, pas la peine de faire des miracles, on fera rien avec eux. Bon. Allez me chercher ça. Vous allez me chercher ça, et vous allez me chercher ça. Ça. Très bien. Toi du coup, t'es trop loin encore pour allumer les plateformes là, c'est bien dommage. Mais tu peux commencer à nettoyer un petit peu le terrain. On va avancer. Eux ils ont souffert, on va laisser un peu derrière. Vous go par ici, on va avancer. Pareil avec toi, on avance. Transport blindé, je vais donner l'ordre déjà. La tourelle de la plateforme légère. Alors la plateforme légère, on va l'embarquer. Ici, est-ce qu'on arrive à faire des trucs avec notre tow? J'ai peur qu'on soit pas suffisamment bien placé. On va se mettre plutôt en arrière par là. Ouais, à cause du fumigène, là, on n'arrive à rien. Là, on devrait être mieux, je pense. Allez! Il y a une plateforme lourde là, attention. Elle est à portée. Ok, ça fait le taf. Ici parfait, on a éliminé la première. Maintenant la deuxième s'il te plaît. Est-ce que tu vas pas les tirer sur ça? On a perdu quelqu'un ou ça ici? Oui, parce qu'il y a clairement du monde. Ça c'est clair. Avancer. Les snipers ils vont être à portée. On va poser le reste par là. Là on continue de faire mal. Hein. Je pense qu'on va même commencer à progresser un petit peu, tant qu'à faire. On a envoyé un tractopelle, là on a du carburant, excellent, mais on n'est pas plein, donc vas-y, va par là. On est rechargé ici. On va se charger dans les MV. Toi t'es à sec. Viens te remettre en état. Toi pareil. Le Sherman. Viens par là, bien à découvert. L'Abrams, j'ai pas lancé le déplacement encore, il est où mon Abrams? Vas-y, viens te retaper. Toi, viens te retaper. Ici on est plein, donc c'est parti, on va aller par là. Toi tu peux pas tirer mais tu peux quand même porter du monde. Donc tu viens par là.
Vous et vous, bah, vous êtes pas très très bien, donc en avant, allez-y à pied par exemple. Ici, petit à petit, on est endommagé quand même. Hein. La plateforme lourde ici est annihilée, les deux plateformes là sont annihilées, c'est excellent. Il y a l'autre enfoiré là qui reste dans son bâtiment avec son anti-tank. Toi t'as plus de munitions. Ah oui. Toi par contre t'es potentiellement pas ouf pour te recharger. Mais écoute, demi-tour. Il lui reste de quoi faire là? On sait pas. On a réussi à se recharger donc probablement que oui. Vas-y fonce par là. Toi tu peux te réparer. Toi t'as plus ce qu'il faut. Et du coup là, on va pouvoir couvrir... Et en fait, en vrai, ce qu'il faudrait là, c'est qu'on envoie un camion de ravitaillement. Toi, remballe, ou quoi que... Non, remballe. Tu vas aller jusqu'ici, ça devrait être à peu près safe. Alors là, on se fait allumer par quoi? Probablement l'artillerie. Ouais, l'explosion c'est l'artillerie. Recule là-bas toi. Putain mais il est bien dans le mal. On va lancer un assaut avec la milice de Place Mardinus là. Parce qu'on n'arrivera pas à se débarrasser de lui sinon. On va essayer de lui donner du soutien à coup de mitrailleuse, mais je m'attends pas à des miracles. Là c'est pareil, il faudrait qu'on avance. On a quand même une ligne de front plutôt établie là. Hein. Donc ça progresse. Ce qui fait chier c'est clairement l'artillerie. Et notre artillerie elle est où? Un peu trop loin je pense encore. Elle est là. Je t'avais pas demandé de ramasser viens ramasser ça. Toi t'es un camion, vous êtes un peu endommagé, vous restez derrière. Là il faut progresser les gars. Est-ce qu'on a quelque chose? On a un Bradley qui glande là. Vas-y go. Là c'est pareil, on a plein de monde qui glande. Essayez donc de prendre ce bâtiment, il n'y a que 10 places, mais on fera le tri après. Ici on a un petit char du cartel qui va pouvoir, je pense, aider. Ça c'est un transport blindé, il peut pas prendre de... Essaye de dire, toi tu peux plus bouger? Tu peux bouger. Vas-y casse-toi. Alors, sans recul, plus de munitions. Ok. Les HE, c'est celles qui sont contre l'infanterie. Et bah du coup, on va faire 100. Ok, là on a réussi à nettoyer. Excellent, on va pouvoir passer à la suite. Il reste plus qu'un mec là, ça devrait aller. En y allant de tous les côtés. Par contre, eux, clairement, ils sont en train de manger. Hein. Un RPG là et un autre RPG, ok. Toi, tu peux plus tirer, tu t'es fait péter les fesses. Et vous là, je vous ai demandé de lancer un assaut là-dessus, là, non? J'ai mal fait? Allô? Balancez-moi une smoke là. Et après, vous me capturez ce bâtiment, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Toi t'es trop endommagé pour te déplacer, merde. Putain, gars, on se fait péter les fesses par l'artillerie là. Faut avancer. Ils veulent pas prendre ce putain de bâtiment là. Ok, là ça nous a donné une autre vision. Parfait, on a pu sniper ça. Toi t'es rechargé, répare.
Là, on ne peut pas tirer. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux. Parce qu'on a plus de munitions. Okay. Et on a plus de carburant non plus d'ailleurs. Vas-y, va recharger ici. On répare. Ça va nous faire toujours un petit peu plus de monde. Toi, t'es à court de munitions. Ah oui, t'es à court de munitions. Toi, viens par là parce qu'il y a du renfort qui arrive là. Ah putain, il y a carrément du monde qui arrive. Ouh, il y a du peuple. Ok, on voit les plateformes lourdes. Remorque de carburant, remorque de ravitaillement. La plateforme lourde, mais c'est pas l'artillerie. Je pense pas. Ok, va falloir qu'on avance avec tout le monde là, parce que... toi tu peux pas tirer parce que t'es à sec. Notre camion de ravitaillement. Viens par là. Ceux qui sont pleins, toi, vous tous là. Non, plein, c'est un grand mot, mais... Viens là. Toi, viens là. Le Sherman. Go. En avant. Pareil pour vous. En avant. Là, on répare. Là, on répare. Toi, viens de foutre par là. Toi, t'es en train d'aller chercher ta tourelle. Non, je sais pas ce que tu fous. Tu t'arrêtes. Tu peux plus bouger. Ici, on a récupéré le truc. On a récupéré le truc. Ok, vas-y. Pose ça là, ce sera très bien. Ici, il nous reste du monde. Donc, en avant, on les récupère. On les envoie direct ici, comme des gros sacs. J'aimerais bien prendre cette plateforme, mais je pense qu'elle va se faire défoncer dès qu'elle sera... Enfin, ça va devenir une vraie cible instantanément. Donc, faut qu'on fasse un peu gaffe. Toi, tu te recharges. Toi, tu te recharges. Parfait. Bah là faut réparer du coup. Tu fais comme tu veux, mais tu répares. Il nous faudrait un Humvee en fait. Disponible. On a trop besoin de. On a trop besoin de, d'avancer là. Faut qu'on se bouge, donc go. Toi t'es allé recharger. Toi tu peux avancer en avant jusque là. Parce que là. Putain, c'est quoi qui tire sur nos propres trucs là? Faut avancer. Pareil pour toi, faut avancer parce que Place Marninus là ils sont un petit peu en train de souffrir, on va dire. Vas-y, shoot-moi ça. Allez, 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 recharge ton taux s'il te plaît. Oh non, il a raté, putain. Place Marninus, je crains que ce ne soit... ce ne soit la fin pour toi. Tu peux balancer un peu de smoke, éventuellement, pour aider. Genre un peu par là. Ah non, désolé. Place Marninus, c'est terminé. On a été un petit peu... on y a été un petit peu trop agressif avec toi. Désolé, c'est comme ça. Là, lui, il est tout seul. Essaie d'aller prendre ça. On sait que tout seul, il peut tirer. Ok, là, on a réussi à se faire l'automitrailleuse, c'est parfait. Ici, on a récupéré un taux. On a toi qui a de la mitrailleuse. Là, il y a du monde. On prend la position. Ok, là, on a raté, malheureusement. Toi, tu tires avec quoi? Une mitrailleuse lourde. Oula, on va utiliser notre sympathique ray gun pour s'en occuper. Ok, il s'est fait dépouiller, même pas par nous. Plutôt bien. Du coup, là, là et là, on avance. Alors, il faudrait qu'on ait un angle de tir pas trop dégueulasse. Donc, du coup, toi, viens par là. Toi, viens par là. Toi, viens par là.
Le Bradley, il progresse. Là, on va essayer de prendre ce truc pour essayer de tirer un peu. Là, on sait qu'il y a du monde, mais notre artillerie est beaucoup trop loin. Est-ce que toi, tu peux... Non, tu peux pas piloter. Pourquoi? Non, tu peux pas tirer, on s'en branle. Viens récupérer ça. Toi, tu vas me récupérer cette foutue tourelle ou ça se passe comment? T'as pas l'impression d'un peu glander, non? Pourri par là. Pareil, là. Les canons sans recul en avant. Vous êtes un peu endommagé. Vous avez le droit de rester derrière. Vous. En avant. Là, on reste assez loin parce qu'on a un plutôt bon angle de tir. On va juste peut-être progresser un chouille. Oula. Bob Legrand, il s'est fait dépouiller la tronche. Merde. Plus de pilote, plus de tir. Ah merde, Bob Legrand est en feu. Au sol, les gars. Toi, tu peux tirer. Tire sur ce que tu veux, mais tire. On ramène du renfort. Ah bah c'est que putain, ils sont efficaces quand même, hein, les mecs, hein, mine de rien. Ils sont pas là pour glander, quoi. Saloperie, quoi. Il nous reste quoi sur ce flanc? Loquer mon ravitaillement, c'est tout. Ok. Mais lui, je sais pas pourquoi, mais... Ah, mais il peut pas rouler parce qu'il a pas de roue, putain. Ok, non mais en plus ça clignotait là en rouge en me disant attention tu peux pas. Et j'avais absolument pas fait gaffe. Ok, bon de toute façon on va arrêter l'épisode là, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.